Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec la petite Magali. Myriam, excuse. Salam la famille. On va vous proposer un défi qui est de roulement de tambour. AVS. Au cours de la journée, il y a une personne qui va manger gras, tout ce qui est burger, tout ce qui est frites, tout ce qui est gâteau. Et l'autre va devoir manger sain, équilibré. Ça va être une dinguerie, légumes. Et, j'ai pas envie. Nutella. Bien évidemment, on fera un défi pour savoir qui va avoir gras, qui va avoir sain. Je veux avoir gras, tu vois. C'est parti, Magali. Myriam. On arrive au magasin avec Myriam. Tu fais quoi avec ton skate? Je sais pas, mon skate. Elle fait des figures. En gros, hier, je t'explique. Si t'arrives à faire deux belles figures, tu manges gras ou sain de ton choix. Et si t'arrives pas, c'est moi, je décide. Ok. Vas-y, deuxième chance, parce que tout à l'heure, ça roulait pas trop bien sur le bitume. Regarde, t'as une partie dans les tourbillons. C'est quoi cette figure? Un tourbillon. Tu veux que je fasse quoi aussi? Regarde, moi, je te fais montrer. Et tu es là. Ça, c'est une figure. Allez, je vais manger gras. Donc les gars, les règles sont simples. On va aller au magasin. Myriam, elle choisit ce qu'elle veut. Moi, je vais pas dire en mode ça, c'est sain, ça, c'est gras. Maintenant, t'es grande, tu fais ce que tu veux. Et dans les commentaires, vous allez juger si elle a pris les bons repas. C'est pas sain, ça. Non, ça, c'est pas ça. C'est pas équilibré, les gars. Ça, c'est mon rayon. Je peux prendre tout ce que je veux. Donc là, regarde, ton étage, il est en haut. Mon étage, il est en bas. Ok, les amis, je suis trop content. Je peux prendre, dites-vous, je peux prendre absolument tout ce qui me fait plaisir d'ici là. Oh là 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 là. Je peux pas en dire autant. Tu vas où? Regardez ce que Myriam a trouvé. Des pizzas, diète, des pizzas sains. Il y a du maïs dessus. Il y a du maïs dessus sur la pizza, les mecs. Oh, tu veux... tu veux pas essayer? C'est pas une pizza, ça. C'est quoi? C'est caca. Eh, mais c'était une pizza sain, ouais, j'étais trop bête. T'en manger ça, c'est mieux. C'est quoi ça? Tu veux manger des poires? Ouais, c'est ça. Bon, en vrai, tu prends ce que tu veux. Elle a trop la rage, les gars. Pour mon premier achat, je vais tester ça. Elle a trouvé, c'est quoi? Attends. C'est comme des petits lus. C'est des biscuits bio. Tu penses c'est sain, ça? Ouais. Il y a plein de gâteaux là, les rails. Bah, c'est dans le rayon sain, du coup, c'est sain. Bah moi je te dis, je te dis rien, je laisse les abonnés décider si c'est sain, les gars. Sachant que je suis choqué, les gars, regardez dans le rayon sain, il y a plein de gâteaux. Genre tous les gâteaux qu'on mange dans notre enfance. T'es mal, il y a même ça, ça ressemble au Nutella Biredi. C'est pas sain, ça. Elle est morte de rire, les gars. On est sponsorisé par Yacine. Regardez, Yacine, il aurait pu faire cette vidéo là. En vrai, on lui prend pour lui faire plaisir ou pas? Vas-y. Voilà, on lui prend ça, on va lui faire un petit cadeau dans cette vidéo à Yacine. Voilà, 6. Couscous tunisien. C'est quoi entre marocain et tunisien? Tu préfères quoi entre les deux? J'ai jamais goûté les deux. Tu préfères les deux? J'ai jamais goûté les deux, mais en vrai, je pense que les deux, ils ont l'air bons. Yes, au moins une bonne nouvelle, il y a des chips bio paprika. Vous promets, les gars, le bio, c'est une dinguerie. Elle a pris, il y a tout ça comme chips. Je crois que t'allais. Elle m'énerve, je crois qu'elle allait manger des vieux trucs. Regardez tout ce qu'ils ont mis, wesh. D'accord, tout ça, c'est pour moi. Bah, les gars, moi je dis rien, je vous ai dit, regardez, il y a tout ça comme fruits et légumes. Je suis en train de regarder, mais je pense plutôt que je vais prendre. Bon, regardez, vous aurez pris quoi à la maison, les gars? Kiwi, ananas. Attends, une box avec beaucoup de fruits. Fais voir. Combien ça coûte ça? 4,45€. Aïe, aïe. C'est halal? De quoi? Les sushis là, ouais. Comme ça? Non, c'est pas halal ici. Mais le poisson, tu peux le prendre. Ça, c'est halal, les onion rings? Ça, c'est halal, ça, à votre avis, les gars, dans les commentaires? Bah oui, parce que c'est du poisson. Le poisson, on a le droit d'en manger. Mais non, mais les onion rings. Mais les onion rings, c'est des oignons. Bien sûr, c'est halal. Ah, ça. Et ça fait deux mini boîtes. Voir, c'est ça tes sushis préférés? Ok, ouais. Ça, tu penses que c'est sain? Bah oui. En boisson, t'as pas vraiment le choix, hein. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Non, non, Myriam, ne l'ouvre pas, j'ai pas payé encore. Tu peux le voir. Qu'est-ce que tu fais? Mais Myriam, t'as pas dit bismillah, j'ai même pas payé. J'ai pas payé. Pour une fois que c'est moi qui ai le repas gras, on va fêter ça, les mecs, on va se prendre un champoumi. Mais c'est de l'alcool. Non, jus de pomme et raisin pétillant. Raisin, c'est de l'alcool. N'importe quoi, c'est un fruit, le raisin. Je peux pas prendre ça, les gars. Pourquoi tu prends une pizza bio? Mais où tu vois c'est bio? Il y a trois fromages, il y a mozzarella, edam et mental, elle fait toute matée. Amis, on arrive dans un rayon assez bizarre, c'est la première fois de ma vie, wallah, je suis jamais tombé sur ce rayon. Film, il y a des burgers comme ça là, burgers au poisson. Genre c'est comme un filet au fish, on va goûter ça, c'est gras, on goûte. Younes, prends ça, s'il te plaît, c'est la frangipane. Mais Myriam, c'est pas la vraie, ça c'est des vieilles galettes, faut prendre ceux de la boulangerie. D'ailleurs c'est classé E, électrique, viens, viens, on va prendre une vraie. Ça les vraies galettes, tu vois, galettes à la pâte à tartiner. On s'en fiche de la fève, Myriam. Pose-moi ça et prends la grosse. Écoute. Je suis tout seul à manger. Je suis pas un big halleuf. Oui, bah tu vas partager. J'en peux plus, lui, c'est trop. En fait, on prend pas de galettes. On va prendre un gâteau d'anniversaire. Oh là. Mais il prend que du sucré, plus du sucré que du salé. Oh my god. On prend ça, c'est bon. Montre bien à la caméra. C'est incroyable.
Présentation de mon repas sain. Alors, on commence par des magnifiques sushis et des makis avec de la sauce sucrée, bien évidemment. On a ici des gâteaux et on a des chips au paprika. Une salade de fruits. Tu enlèves ça tout de suite. Pour ma part, nous aurons un magnifique champomy. La fête est folle. Un gâteau profiterol. Il y a combien de boules? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boules. Pour moi aussi. Hein. Nous avons une super pizza. Quoi, du poulet? Je peux tout expliquer. Parle chinois ou c'est comment? Non, les gars, j'ai rajouté des petits morceaux de poulet. Ça, c'est la combine des gros. Et nous avons le célèbre burger fait par le poissonnier. On va regarder comment il est à l'intérieur. Ouh. 100% poisson, bien évidemment. Eh les gars, le repas, il est incroyable. J'espère que Younes, il va pas venir tout de suite. Hein. Oh, la pizza est trop bonne. Avec la dinde. Le burger, les gars, j'ai déjà entamé. Il est grave. Bon, les gars, je pouvais pas attendre, je vous jure. Attends, mais je rêve. Je rêve. Mais Myriam, c'est mon repas. Mais tu joues à quoi? Déjà tapé toute la moitié. C'est toi qui as mangé ça? Mais pourquoi tu fais ça? On sent. Mais Myriam, vas-y. Je veux jouer à ça, je vais goûter à tout. Je savais qu'en 24 heures, ici, ça peut pas bien se passer. Il y a toujours des problèmes. Du coup, moi, je finis tout. Hein. Je suis malade, j'ai mangé ça. Oui, moi aussi, je suis malade dans ma tête. Non, mais Myriam, attends, regarde-moi. Là, par contre, je suis pas d'accord. T'as un chat? Myriam, t'es tombée sur sain, tu dois manger sain. Mange tes légumes, tes bouillis, là. Y a plus de poisson. Y a plus rien. J'ai même pas pu goûter le burger du poissonnier. Ça va pas se passer comme ça, les mecs. Regarde ce qu'elle fait. Elle m'a pas attendu, elle a tapé tous mes trucs gras. Ah, ça, c'est ma soeur, check. Elle a raison, tout est pour elle. C'est quoi le meilleur truc, du coup? Le burger et la pizza. Et ça, ça c'est incroyable. Ça, comment ça s'appelle ça? Du profiterol. Vous voulez m'énerver en fait? T'as oublié un truc. Dédicace à. Yes. Voilà, allez, c'est parti. Mais attends, en fait, là, vous voulez m'énerver, c'est ça. C'est comment? J'ai capté. Eh oh, je suis là. Allô, je suis là, je suis devant vous. Ouais, on a vu que t'étais là. Elle a fait graver sain. Elle a sain, elle mange gras. Tu veux, il y a des fruits. Tu veux des fruits? Tu vas goûter tes trucs, hein. Goûter déjà un, j'aime pas. Ah, mais tu peux, regarde ce que tu fais. Tu prends ça, tu mets un peu de fruits dedans, ça te fait un truc sain. En vrai. En vrai. Il est croqué, elle a vraiment goûté. Voilà, et ça, c'est ça. Tiens, t'as goûté, tu finis. Tu fais pareil. Pourquoi t'as pas fini? Il y a dans le chocolat ici, là. Pourquoi tu l'as pas fini? Mon mien, mais casse-toi, mais arrête! Un couteau. Incroyable, les gars. Incroyable. Oh, Myriam, c'est pas grave, c'est tout ce que t'as fait. C'est pas grave ce que t'as fait, Myriam. À ce point-là. Mange ce que tu veux, Myriam. Oh, les gars, il va taper tout le gâteau, je crois. Allez, à tout à l'heure. Non, tu me le laisses. À tout à l'heure. Oh, mais il est malade. Désolé pour ce que j'ai fait. Franchement, je recommencerai plus même temps. Tu aimes tout devant ma bouche, c'est trop tentant. T'as dit quoi? Eh, oh, réveille-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, je venais m'excuser. C'est la dernière fois, je t'excuse, mais c'est la dernière fois que tu fais ça. Et la prochaine fois, tu remets un truc bizarre dans le gâteau. Tu vas voir, c'est pardonné. Dans le gâteau. Pendant ces 24 heures, on vient de recevoir une excellente nouvelle avec Younes. Comme vous savez, on a ouvert notre club, le Familia FC, sur la Foot Familia. D'ailleurs, ceux qui ne suivent pas, venez sur la chaîne YouTube Foot Familia, c'est vraiment une dinguerie. Là, on vient de recevoir un excellent colis où à l'intérieur, il y a des tenues d'entraînement pour les joueurs du Familia FC. Et je vous vois venir, vous allez me dire, Yacine, comment je fais pour entrer dans le Familia FC? Comment on fait, etc., etc. Venez me suivre sur mon Instagram, il s'affiche au téléphone, n'hésitez pas. C'est là où tout, j'explique tout dans les stories, etc., etc. C'est les tenues d'entraînement pour les joueurs du Familia FC. Regardez-moi ça, on a le maillot qui est comme ça, tac, en mode doré et noir. Et derrière, on a le numéro. Donc là, c'est le numéro 19, en mode doré. Et bien sûr, la tenue du gardien, parce que le gardien n'a pas la même tenue. Voilà la tenue du gardien, les gars. Regardez les gars, Familia FC, c'est la base. L'épisode, vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube Foot Familia la famille. On vous attend nombreux les gars, on est bientôt au 1 million d'abonnés sur la Foot Familia, donc venez vous abonner, on compte sur vous. Pour savoir si Younes il aura gras ou sain, il va devoir faire un jeu sur TikTok, ça va simplement être le jeu de la PlayStation 5. Il va devoir tout aligner et faire 100. C'est parti les mecs, je vais devoir faire 100 là cette fois-ci, vous inquiétez pas, Myriam ne va pas me voler mon goûter, je me suis déjà fait voler mon goûter tout à l'heure. Là, je vais plus me faire voler mon goûter. J'ai un seul essai, c'est ça? Ouais. Ok, let's go. 3, 2, 1, je prends mon temps. Bim. Oui, let's go les gars. Allez, la deuxième. Boum. Oh oui. Et tac. Non, 91. Ça veut dire quoi, 91? Ah non, c'est pas bon. Du coup, c'est Myriam qui va décider ce que tu manges. Myriam, on veut une réponse. Je vais devoir manger gras. Tu peux dire gras. On va se préparer ma recette sain. Et vous allez pas me dire c'est pas sain, je sais pas quoi. Ça va être la recette la plus sain du monde, c'est bon? On commence avec un bol. Y a rien dedans. On rajoute. On commence à mettre de la salade. La salade, on est d'accord, c'est pour les tortues, c'est sain. On commence avec de l'emmental. Mais l'emmental, c'est pas sain. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas du tout ça, l'emmental. C'est quoi? C'est pas gras, l'emmental. Tu mets des petits bouts comme ça. Les gars, c'est pas validé, c'est pas sain. Vas-y, toi. On prend des tomates cerises.
Quelqu'un a quelque chose à dire? Non, c'est avec plaisir. Prends tout si tu veux. Mets tout le paquet si t'as envie. Non, mais un peu. Ça, c'est ça, je suis d'accord. T'as quoi à dire? Le ton, non, c'est bon, c'est que c'est validé. Arrête de forcer le ton. Ça coûte. Vous savez, cette boîte, elle coûte 5 euros. Non, ça là, coûte 2 euros. C'est quoi? Il met des bonbons, il met du bonbon. Des amandes. Une barre protéinée, c'est sain. Hey, c'est au chocolat, mais je vous promets, c'est sain. C'est toxique du chocolat, c'est pas sain, du coup, je la prends. Tu vas pas aimer, Myriam. Ça a le goût du diamant. Arrêtez de venir derrière moi! Les gars, ça me fait trop rire. Yassine, il a été dans un centre de formation où il y a des jeunes qui vont devenir footballeurs professionnels. Et il m'a dit à la cantine, il y avait des épinards, du riz et du poisson. Il m'a dit c'était dégueulasse. Moi, j'ai pas dit ça, c'est Sofiane qui a dit ça. Et ils ont dit c'était dégueulasse. Mais les gars, vous croyez que Cristiano Ronaldo et tout, ils mangent quoi tous les jours? Des pizzas? Bah si, toi. Donc là, on commence par du poulet. Simple. Normalement, c'est dans un sandwich. Je suis bloqué. Dans une pizza. Parce que tu commences à grossir. T'as mangé mon repas tout à l'heure, voilà. Normalement, c'est dans un panini, ça, et là, c'est simple. Y'a qu'une. Bismillah. Eh, mais c'est pas sain, ça. Quoi? C'est pas sain. Même Ronaldo, il en mange. Pour moi, que c'est clairement sain. Hein. Ben oui, c'est sain, c'est que du poulet. Ensuite, on va taper la salade. Tu mélanges bien comme ça. Pourquoi pas que ça aussi, c'est sain? Ça, je vous promets, pour tous les gros qui veulent perdre du poids, qu'ils arrivent pas à manger cette recette le soir avant de dormir. C'est incroyable. Tac. On prend tout. Bismillah. C'est pas bon, ne l'écoutez pas. Ça passe. Moi, j'étais à causer des pizzas tous les soirs. Oh là là. Par contre, je vais vous dire la vérité. Myriam n'a pas fini ses sushis, donc j'en ai récupéré. C'est sain, les gars, c'est les sushis. C'est pas sain. Si, c'est sain. Bah, t'as l'air, t'en as pris quand c'était sain. Ah oui, oui, oui. Un peu de yaourt. C'est pas sain. Un peu de Kellogg's. C'est pas sain. Bon, ça, j'avoue, c'est pas très sain. Mais je me suis fait un petit plaisir et je voulais vous faire regarder ça. Regardez là-bas. Regardez-moi ça. Du coup, tu nous goûtes tes Kellogg's pour voir si tu as son. Incroyable. Eh, goûte-nous tes Kellogg's pour savoir si elles sont incroyables. T'as vu les oublier dans la cuisine, va voir. Vas-y, je perds la tête, moi je commence à devenir vieux. Eh, les gars, il est trop bête, regardez. Myriam a fait de la gym en ce moment, je vais lui lancer un défi spécial gym. Elle va devoir réaliser le pont en arrière pendant 10 secondes. Ok, pas de problème. Mais allez, c'est parti. T'es foutu. Comment ça, je suis foutu? 3, 2, 1, let's go. Wesh. 1, 2. C'est l'exorciste. 3, 4, 5. C'est une blague. 6. 7, 8, 9 et 10. Oh non! C'est validé! Gras! Je te laisse découvrir. Il y a des pièges là. Non, t'inquiète, vas-y, ouvre. Ok, okay, découvre. Cette boîte, c'est quoi ça? Regarde, je sais pas. Okay. On commence directement avec une boîte à l'intérieur. Il y a des mozzastiques, ça c'est incroyable ça. Visuellement, je mets un. 9,5 sur 10. Test pour voir si ça fait les fils comme dans les films là. Ok. Oh. Ah, ça n'a pas fait. Malheureusement, ça n'a pas fait, mais on espère que ça va être bon. Vas-y, tu peux tester. Alors, franchement, pour le goût, je mets un 9,5 pareil. Waouh, c'est validé alors. Ouais. Incroyable, il y a une TN sur l'emballage, les gars, c'est trop stylé. Ok, donc déjà, on va voir visuellement. Oh, c'est un cheeseburger. Visuellement, je mets un 9,9 sur 10. Oh, j'avoue, il est trop beau le cheeseburger. Vas-y, goûte maintenant. Et c'est parti, bismillah. À ce point-là? Et pour le goût, je mets un 9,9. Waouh, c'est-à-dire que c'est encore plus beau que les mozzastiques. Ils vont me dire pourquoi Yassine, tu participes pas dans les 24 heures gravées à 100 et pourquoi tu manges pas? Parce que moi, en fait, j'ai des problèmes d'estomac et je ne peux malheureusement pas manger ce que je veux. Du coup, dans ces vidéos-là, je ne peux pas participer. Et si tu manges par exemple un burger, ça va te faire quoi? Bah, si je mange un burger, j'aurai mal au ventre pendant très longtemps. Du coup, je préfère pas. Ok, bon, là, on va découvrir ce que c'est. Oh, ça a l'air incroyable, ça. Moi, je pense que... C'est quoi? C'est un sandwich, comme ça. Ouais, je crois que c'est un croque-monsieur. Oh, incroyable. Un croque-monsieur coupé en plusieurs parties. Montre-le à la caméra, il est trop beau. Un 9,9 pour le goût, c'est comme un burger. C'est-à-dire, c'est comme... c'est-à-dire que la commande elle est validée de ouf. Et en plus, t'as vu sur les croque-monsieur, ils arrivent à mettre une sorte de béchamel par-dessus. Et ça, je crois que c'est ça qui fait la diff de ouf, c'est-à-dire le fromage il est fondant. Maintenant, on va passer au dessert. Maintenant qu'elle s'est bien régalée, je vais lui ramener le dessert, c'est parti. Vous connaissez, c'est l'hiver, il pleut, il neige, il fait froid, du coup, on est obligé d'acheter les bûches incroyables de l'hiver avec un mogu mogu, je crois que c'est sa poisson préférée. Tiens, tu vas pouvoir manger. Est-ce que vous préférez l'hiver ou l'été? Moi, je suis un mec, je kiffe l'été. J'aime pas l'hiver. L'hiver, il fait froid, il fait mytho. T'as les mains gelées, tu peux pas sortir. Tu peux avoir de foot, il fait trop froid. Une bûche au chocolat qui fait plaisir. Waouh, ouais, elle était fondante. Donc, quand la croquette, c'était fluide. Je mettrais un 9,5 parce que
On sent plus le chocolat qu'à l'intérieur. En fait, j'ai remarqué, les pâtisseries, plus c'est beau, moins c'est bon. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes, à vous abonner. Dites-nous vos idées dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse des 24 heures. Nous, on va vous laisser là. Ciao.